aider à comprendre les éléments de l'actualité nationale et internationale. Alors, il faut qu'on dise que Galette, les points commencent à bouger et commencent à bouger dans la mesure où il y a des signaux qui commencent à lancer. Et nous comprenons que je dis à là et nous gagnons. Parce que le pays, que ça marche dans le pays, dans la mesure où le pays, le peuple, a plein de telles bagailles dans les gars économiques, dans les gouvernements, à tout CPTA, c'est que faut bagaille changer mon niveau. C'est ça qui fait que, en tout cas là, monsieur, dame, le gouvernement, il n'y a pas de chita dans chita parler seulement, mais il faut poser action. Alors, le mot d'ordre est lancé au niveau de la police nationale d'Haïti par le biais du directeur général de l'institution policière, l'ancien directeur central de la police judiciaire qui devient directeur général de l'institution policière, le commandant-chef de la police nationale, Normile Rameau, mais qui, dans le cadre d'une rencontre avec des policiers, des commandants en chef de l'institution policière, à savoir des directeurs départementaux et des commissaires divisionnaires et qui des membres du haut commandement de la police nationale, eh bien, lui est passé instruction formelle, tolérance zéro à tous les bandits. Tolérance zéro à tous les bandits. Normile Rameau donne le ton, un ton draconien à tous les policiers. Quel que soit secteur où sorti, ou appartenu, quel que soit côté où sorti, quel que soit Zamita ou Dagayen, dans le pouvoir, n'importe côté ou debout dans la gang, depuis la police qui est dans la gang, ou impliqué dans la gang, tolérance zéro. Ça veut dire, ça veut dire, bois calé. Dans le langage créole là, nous avons dit que depuis un policier qui est dans la gang, ou pas gagner l'autre chemin, baron, dans la mesure où nous connaissons droit de l'homme et droit de l'homme à savoir et il arrête tout le monde c'est pour le code de la justice. Nous connaissons pas en prison, pas en prison dans le moment où on a parlé là, pas en prison parce que et nous connaissons qui s'est passé. Ok, donc ce qui s'est passé dans la pas passé notamment selon Normile Rameau, à savoir et cette question de mettre le monde en prison, arrêter mettre le monde en prison après ça n'est pas gagner espoir pour le libérer parce que c'était un groupe bandit. La gueule. Donc, je dis à la, Normile Rameau donne le ton, un ton draconien. Le message est lancé à tous les policiers du territoire national, tolérance zéro. Depuis aucun bon nègre dans bandit, depuis aucun bon nègre ou qui doit tremper dans affaire bandit, tolérance zéro, il donc quoi caler. Maintenant, on y a là, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, Normile Rameau lui dit que, il va venir côté de la poubelle, lui-même, lui là, lui vient bailler le ton. Et ton ça, il fait très 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 clair sur ça. Il te dit, quel que soit quand on sort, ou tu mets tes policiers, pas de barrière, on va sortir dans telle promotion, ou je m'en protège, pas de barrière comme si, néglacé, j'en mis tel monde dans le pouvoir, pas, nous mets tel, pour ouvrir pour tel, pour choisir, ouvrir pour un policier, qui a promis d'être malhonnête en dans la société, pour choisir, pour impliquer nous dans cette gang. Ou ap merde moun, ou ap touye moun, ou ap vole affè moun. Eh bien, tolérance zéro. C'est ça, message là, pour Normile Rameau, qui fait une rencontre avec des commandants de l'institution policière. Maintenant, le message est donné. Eh bien, le message est lancé, tolérance zéro, qui donc Boakale. Maintenant, dans l'autre niveau, on le cale, c'est Boakale qui a baillé au niveau de la diplomatie haïtienne. Eh bien, il faut nous dire que Galette, selon. Estimation qui fait, sous 14 employés qui t'a travaillé dans la question de mettre passeport dans le niveau Washington. Alors, dans la question de passeport, nous avons gagné dans Washington. Et Haïtiens, qui donc, des Haïtiens qui travaillent pour le compte de la diplomatie haïtienne, qui impliquent dans la question et fait passeport. Et pour le compte des Haïtiens aux États-Unis. Et ce n'est pas oublié, c'est Washington, ambassade d'Haïti à Washington, qui émet passeport pour tout pays à travers le monde. Donc, si on n'est pas de pays, c'est eux-mêmes, c'est dans le niveau Washington, que passeport, et on dit, que ont fait passeport pour le monde. C'est-à-dire, ils ont fait travail là, dans n'importe quel pays,
c'est Washington qui envoie elle et puis il y a Washington lui-même transmettre passeport aller dans l'autre pays. Donc ça veut dire que gagner 12 monde ça yo, gagner 14 monde seulement deux là-dedans seulement pas gagner nationalité américaine. Donc je découvre, je viens découvrir 14 monde, 14 employés qui travaillent dans l'ambassade d'Haïti à Washington, seulement deux là-dedans qui pas gagner nationalité et haïtienne qui donc naturalisé américain. Esaïe César, sous ça on parle, à me penser ministre haïtien en ministre haïtien affaires étrangères là et madame Dupuis li gen nan coup de balle il a passé fait dans différentes missions diplomatiques haïtiennes yo. Faut il t'a mettre en pile accent sous Washington parce que c'est là même justement Esaïe César, c'est dans Washington là même m'ta capable di bassin central corruption. C'est là même li basé. Et causé passeport ça wap di là Esaïe César, t'a l'en fait que t'a parlé avec un ami là qui gon un moun qui a déposé son passeport en extrême urgence en mois d'avril, li payer tout comme pour le payer. Jusqu'à présent pour rejoindre ni monsieur lui-même il dépose passeport depuis année passée il sous un an il peut pas rejoindre madame qui ça monsieur dame ça yo non et ambassade d'Haïti dans Washington il a fait si ce n'est que ressonner moun d'ailleurs fait ce deal là et puis Paul a parlé yo pas haïtien et yo pas aucun droit pour y travailler dans administration publique là constitution nous clair sur ça. Aucun étranger pas de droit occuper aucun poste dans l'administration publique là. Donc c'est pour marre comme volant. C'est pas révoqué, c'est marre comme volant. C'est ça. Alors comme usurpateur. Il y a des gens qui dans niveau ça, qui travaillent dans niveau ambassade d'Haïti ou bien dans consulat d'Haïti à l'étranger. Ils prennent le malin plaisir créer ça relé agent ça yo. Comment notre problème encore? Ouais, tu avais mettre extérieur, tu avais mettre document pour haïtien, donc moun sa yo, ça travaille en dans institution, ça c'est ambassade ou métropole là yo, et ça qui pas conforme à droit haïtien yo, pas gain droit, gain agence et droit travail dans et ambassade d'Haïti à l'étranger ou bien en consul. Donc ça veut dire que ça n'est pas conforme à la loi. Et c'est ça qui fait que, je ne veux dire là, Madame Dominique Dupuis, travail ça n'est pas facile. Et son travail est de longue haleine. Donc je pense que, et ça qu'on fait, je ne veux dire là, mais Madame Dupuis a essayé écrit aux différentes institutions qui ont combattu la corruption en pays. Je pense que c'est un bon travail, c'est un bon pas pour le gouvernement en place. Qui va être fait au délai? Et qui va être le objectif pour combattre la corruption dans toute dimension. C'est ça que je dis là, parce que le pays a ça doit comprendre et nous capables de déboucher pour un bagage plus ou moins sérieux. Nous espérons, dans notre débat, que le travail ça va continuer et que il va faire un petit bail. Donc, en fait, il faut que nous disions que Galette n'a pas continué de ça pour nous tomber dans notre bagage. C'est que. Nous connaissons les funérailles de Lucien Désir, Louko Désir, et petit Louko Désir. Il a supposé faire qui donc samedi. Samedi, 29, oui. À 1h, samedi 29. Alors, samedi 29, je viens à 1h. Donc, Louko Désir et mon tio est pour être capable de déplacer le pays par rapport avec. Nous connaissons les problèmes qui étaient au niveau de l'ambassade de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Qui était prêt à toute disposition. Ok, et on a plan pour SOS à l'ambassade là, un message à l'ambassade là, à l'endroit du consulat américain, pour capable de remettre le coup des passeports là, pour être capable d'être dans l'avion, demain vendredi, pour lui rendre dans la Floride, pour la laisser à funérailles quotidien. Nous pensons que, alors, il faut nous dire que nous remercions également l'actuel ministre des Affaires étrangères et des cultes, Mme Dominique Dupuis. C'est pas tout. Et dans ça qui concernait dossier ça même, ok, que le texte met le fond là-dedans pour que Louko Désir soit capable de déplacer une bonne et due forme pour être capable d'aller à la funéraille et petit-fils. Petit-fils, c'est un peu plus
que malheureusement perdu. Donc nous remercions Madame Dupuis et également l'ambassade américaine qui a démerdé davantage pour capable de remettre et nous connaître un visa spécial pour l'assister à funérailles. Maintenant, il n'est que d'attendre demain, nous connaissons ta doué, il était doué aller déjà, mais c'est une contrainte au niveau de l'ambassade, même parce que au coup de journée là, l'ambassade a arrêté après les locaux des gens pour capable remettre le passeport et avec visa pour capable de rendre aux États-Unis d'Amérique parce que et personne de petit garçon là, c'est un gros personne, il y a énorme, côté loup des gens qui a doué rendre aux États-Unis. Entre temps, on nous dit que commune Kafou, nous avons parlé avec le directeur général de la police nationale, la commandante de la police nationale, qui va garantir que pas de question de territoire perdu, tous les actes seront débloqués selon Normie Rameau. Entre temps, il dit que question commissariat Kafou, pas de police là-dedans, mais très bientôt, la police doit retourner au travail, sinon, il ne va pas toucher un grain de chèque. Et un policier va venir au travail, il va recevoir un grain de chèque selon Normie Rameau. Qui mandé policiers s'ouvre le travail, prend le travail dans le commissariat que vous affectez. Question pour l'extérieur de la caillou, ou pas pour recevoir un chèque, c'est oublié ça. Non, Mille Rameau déclaré, à côté de tolérance zéro pour bandits, mais pour avoir tolérance zéro pour policiers avec des révocations directes, ok, révocation et avec l'aide de l'inspection générale qui doit faire le travail, ok, ou policiers pour le travail. Il a été abandon pour vous et vous n'êtes pas capable de retourner dans la police. Vous n'avez pas même une chance pour vous réintégrer. Vous avez un combat dans l'institution police là. Et puis vous avez un combat ou un demande de réintégration. Pas qu'il y a une autorité qui est capable de possibilité pour faire demande de réintégration pour police là. Parce que vous n'êtes pas intéressé qui vous a abandonné l'institution qui fait le travail. C'est parce que vous n'êtes pas besoin de travail dans l'institution qui fait que vous abandonné. Donc, nous avons annoncé que. Et tolérance zéro à tout niveau, les policiers pas venir travailler, on va faire, on va calmer, on va faire l'autre bagarre. Le cas de ces policiers, n'est-ce pas vrai, qui t'a tiré sous commissaire à Pétionville là, eh bien, l'homme il est en bout clé sur ça, avec la police qui a plané dans la machine, et filmé, et en uniforme, la police, et parce que la machine la police, oui, et on va marcher sous la machine privée. Et faut qu'on ait pas d'explication, sur qui base 5 policiers, 3 policiers, 4 policiers, non seule machine privée, sans que ce n'est pas. Une machine banalisée que la DCPJ, alors qu'on est que la DCPJ utilise des machines banalisées. Mais laisse ça, on a un policier en civil. Donc là, il y a un mot clair sur ça. Question policière, marché dans la machine privée. Vous comprenez que ça fait ça, vous voulez, en d'après, il y a un mot dit c'est tolérance zéro dans tout niveau. En tout cas, nous dit que parlant de commissaire à Kafou, eh bien, il y a la mairie de Kafou qui était en main un programme de rattrapage communal. Rattrapage communal là, c'est démarré le 15 juillet qui se passe là, qui bout et 14 juillet qui vient là. Maintenant, on y a là, il y a un niveau 9e année fondamentale, et 9e année fondamentale, et qui inscrit à peu près 12 000 personnes qui inscrit, parce que qui déjà participé. D'ailleurs, mairie à Bayo permet de, sous leadership et magistrature de l'Opéra, permettre que les gens bénéficient d'un plat chaud pendant la formation, et bien, manger correctement. Donc, et bien, magistrature de l'Opéra, et bien, c'est un programme ça, et dans Kafou, et félicitations, balle cloche pour moi. Et parce que moi-même, moi je suis en éducation, et moi je suis en éducation, et là ça a été fait parce que nous autres au niveau de matériel, nous n'avons pas réussi à faire pas la vie. Alors, Timounio, tu as un rendez-vous au niveau Collège Élie Blaise, Collège Catherine Flon, Collège Bicentenaire d'Haïti, École Communale Pierre Samio de Kafou, et puis Collège Marie-Régine, qui est donc Kaimeyo, et puis Centre Culturel Mono Chalmay, et Municipal Mono Chalmay. Donc, Timoun est 9e année fondamentale. Yo a participé directement. Maintenant, à partir de samedi qui là, donc et après deux jours, eh ben si moun qui pral dans NS4, yo, y a des possibilités qui donc et y a des possibilités pour y participer qui environ 1600 si moun qui inscrit, eh ben qui pral participer dans cadre cours de rattrapage. Si moun NS4, yo, a des possibilités pour y participer dans cours de rattrapage ça que mairie Kafou sous leadership d'Ile de Pierre, vous voyez que c'est président FENAM, que nous sommes toujours demandé pour que nous pensions que le gouvernement tende à voir matin débat, il chita dernièrement avec des responsables des collectivités territoriales. Et ça que nous battons d'avoir la contentement pour ça, parce que nous ne vivons pas un pays sans collectivités territoriales. Magistrat, c'est base, Kazek, Azek, délégué Vilio, et c'est base, et bien, moteur PIA, et des PIA. Il ne faut pas faire rien sans pas gagner apport
collectivité, mais tout d'abord, les magistrats, c'est grave, et la planche, un message, by Paris Platabal, Miss Timon, ou d'aéroport, bon équipe Fatra, mandé gouvernement pour Bakop, pour nous retirer Fatra, et entrer, c'est pas à point entre pays. S'il vous plaît, madame Miss Timon, moi, je vais nous dans le pied. Pourquoi ça me dit ça? Parce que moi, je sens que les gens étrangers qui sont venus dans le pays, ou bien nous, qui sont sortis dans le pays, qui ont constaté pile à paquet de Fatra sur route nationale, boulevard tout c'est l'ouverture, tout c'est l'ouverture. Tout c'est l'ouverture, merci, merci Galette. Donc, nous sentons, c'est pas possible. Toi, Fatra, magistrat, ni si bon. Mettez ensemble avec magistrat, je dis. Mettez ensemble avec CNE, SNGRS, gouvernement, Gary Kony, ministre de l'Intérieur, ministre de la République. Monsieur, en dégagez-nous. Bye pays à ça. Il n'est pas bon, il n'est pas normal pour tout Fatra ça. Sous boulevard et en tout ce bâtiment, dans le classine, et pas normal, vous avez quoi? Bon coup de parler, nettoyage pour nous soutenir. Parce que pays a, c'est pays nous lieu. Les étrangers entrés pour la conseil de ce papier, ça n'est pas normal. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et bien, dit mon yo, mes amis, et même message là, toujours là, ok? Et la question pour question recette. Mystikou, c'est ou bien Roosevelt là pour interview. Ok, dans 215-954-71-50, 215-954-71-50. Et puis Galette, on est pays là. C'est pays nous, là, pour vous saluer. Divers amis qui vont chercher ma petite part. Ok, et moi pas là pendant quelques jours, mais pendant que je suis toujours là avec nos auditeurs. Et puis, il y a un petit film, Nazan, Emmanuel César, qui va le graduer, et c'est notre cas d'affaires. Moi-même, oui. Je suis venu là et dans même temps, surtout pour nous être capable à participer dans le funérailles, nous rappeler nos petits coucou désir qui mourit et dernièrement là, et nous connaissons, nous partager peine avec elle et nous espérons que chaque monde, nous remercions tout le monde qui a partagé peine ça avec nous, c'est parce que petit coucou désir, lui-même, aller en paix et que bon Dieu a recevoir lui. Ok, à recevoir lui et bras ouverts et que nous connaissons, elle va continuer de travailler, retourner dans le débat comme ça doit. Merci, merci Galette, et puis rendez-vous dans Queens avec Fofatanise, et bien tous les auditeurs de Radio Télé Claire, Maté Débat, et bien nous là, et très bientôt, on a plat avec Apil, nous, on a toujours là avec vous dans le studio, on a plat avec vous, même si pas nous dans le studio, nous là pour nous servir, et servir, c'est un devoir pour nous. Merci un pile et Esaü César, notre collaborateur ici à Radio Télé Éclair, particulièrement à l'émission Maté Débat. C'est une panéliste qui, justement, j'en suis dit là, amis auditeurs, auditrices, les spectateurs, internautes en déplacement et qui font déplacer et dans le cadre bon, ou des causes ou bien des raisons familiales, c'est m'a dit comme ça. Donc Esaü qui a retourné non pas trop longtemps. Et justement, premier point nous gagne aujourd'hui, c'est sous causer Premier ministre Gary Kony qui promet pour faire un passe main dans l'administration publique là. Je pense que bon, comme n'a tout traité ensemble avec n'a tout traité Samuel Jean-Baptiste, Pierre Martin Tatout. N'a tout traité li ensemble avec troisième point qui gagne ouais avec assainissement et premier point en partie comme ça n'a rappelé le premier ministre dans le cadre de la transition pour assainir les institutions publiques instaure diverses mesures. Comment les nouvelles mesures du premier ministre vont-elles réformer l'administration publique et lutter contre la corruption? N'a tout gardé avec l'assainissement au sein de la diplomatie haïtienne. Quels sont les dessous de la corruption? N'a tout traité ensemble avec bien entendu des documents juridiques à l'appui. Parce que, bon, dis non, t'y causez, monsieur. Comment? Pas de pays, pas de côté qui pas de corruption. Mais pas de pays tout qui pas bataille contre la corruption. Même les États-Unis d'Amérique, même la France, même l'Angleterre, encore le Royaume-Uni, si m'a dit comme ça. Gen corruption.
mais gen yon côté le plus faible ou bien plus fort par rapport avec yon l'autre. Mais en Haïti, monsieur, c'est des ordres nets à lui. En Haïti, dès pour dire administration publique là, ou dit corruption. Monsieur, journée jodi a corruption vient tellement appliquée dans l'administration publique que vient normal. Moun nous mette dans l'état assez souvent yo pi corrompu que moun qui t'a supposé là pour servir, m'a parlé de tes employés, etc. Des fois, c'est le directeur général lui-même qui appuie la corruption dans l'administration publique. Là. Écoutez, bon pour exemple. Monsieur, au directeur général ou bien son ministre ou bien son. M'a besoin de faire un bagage. Mais m'a besoin d'une attestation DG. Pas qu'à jeûner. Ou bien Samuel, besoin de faire une attestation DG. Pas qu'à jeûner. Ministre, là. Ou bien pas qu'on est pour Samuel Jeune, il faut le payer taxe, paquet de taxes, année passée. Je vois directement contre directeur général de GIA Bouba ou lui. Ça veut dire, directeur général l'a contourné parce que c'est ministre finance là que vous voyez. L'a contourné tout année taxe, code ou et puis le bas où son besoin, attestation, mais son besoin pour aller régler cause là. Je ne dis pas pour Samuel pas payer taxe. Yo. Oui, faut payer taxes. Mais même les Samuel paye taxes, nous-mêmes, l'administration publique, là, pardon, comme volet, Baba Jérémy bien rapide, comme volet, nous-mêmes, l'administration publique, là, comme volet, nous, merci un pile. Taxes pas tourner dans mes populations, en fait, sous-population en forme service et de base. Taxes pas tourner sous-population sous forme service de base. Parce que tout simplement, en administration publique, yo travail yo pas fait gens que yo t'a dû faire là. Moi beaucoup j'aime connait côté un inspecteur dans DGI, gen patente nan mel. Gen patente nan mel, besoin patente pour business ça là. Tout signé, tout scellé, tout ba oui. Moi beaucoup j'aime ça. Tout signé, tout scellé. Pour retour seulement. Et puis comme on paye patente dans le DGI, il pas rentrer dans boîte l'état, il pas rentrer même le tout. Même s'il est entré dans l'État ou pas capable de jouer sous forme service de base. Monsieur, nous avons nous cocoratiser, permettez-moi l'expression, mes amis auditeurs. Nous avons besoin de grappialiser l'administration publique là. Nous tout montrer que c'est grappial là même, oui. Regardez, monsieur, vous venez faire corruption tourner en forme de gouvernance. Il tourne la norme ici en Haïti. C'est ça qui est le problème. Non? C'est ça qui est le problème. L'un jeune qui charge. Compétence rentrer dans l'administration publique là, bien envie faire tout bagarre bien droite, yo fait le paraître comme bête noire. S'il pas décidé rentrer dans marche à suivre corruption, yo salaire liquidé. Dem de liquider, c'est pas tous les moyens, ça pas besoin non. C'est pas nos bons amis, on monde qui sont États-Unis, qui sont la France, qui sont font belle master qui dit bon pour rentrer en Haïti, il vient servir pays et puis qu'il rentrer, le regarder l'ouest, c'est gagote qu'a fait. Et après 1 an, 2 ans Souba veut dire là vous mon ami obligé bye bye. C'est cher. Ça. Tant qu'on nous dit là et Samuel nous fait de la corruption. Principale caractéristique de l'administration publique en Haïti. Et ça qu'faut ouais assez souvent par exemple dans le parlement que me compte toujours partir à Botnegio. Même parlement 50e qui saute passé à là qui c'est pour moi même depuis les mabgadi qui c'est parlement de la honte. Ça va venir pas gagne qui t'est passé dans législature ça qui pas tourner. Oui, c'est pas toute. Mais ça qui non volo yo majoritaire. Que ça le député assez ancien parlementaire comme ça m'a dit bien nèg qui parle là dedans même les ticlan pas en pile le fait que ticlan pas en pile yo vinn pas gagner la voix au chapitre nèg et puis nèg ca volo s'il vous plaît yo pia au gang yo pichou nous yo pia là oui et c'est le pays volo gagne chez lui c'est là en Haïti ouais dans l'autre pays volo en Haïti yo connaît pas gagner justement parce que mais go bagaille tout peuple haïtien poko on pense gros problème éducation tout dans niveau population haïtienne. Ouais qui ton nèg t'a passé au pouvoir, li
pas gen doit langue supérieure pas nan bail et puis gon vie qui m'ta capable dire modeste. Il a critiqué lui même j'ai ancien président Hugo rien pas songer non monsieur ça. Il a critiqué lui le président rentrer la Cali dans modeste la petite bicyclette lui même servi pays. Mais et pas président moi quoi c'est est-ce que c'est Pérou C'est Hugo oui songer pas non en tout cas quoi. Mais c'est non Boric Boric est ça Boric et pas Pérou non pas songer Pérou bon en tout cas monsieur un jeune garçon 34 ans quoi ça oui en tout cas aidez-moi nos amis auditeurs aidez-moi oui n'est que la passé non poste de décision les passé non direction générale les passé non ministère Lèl fini titre la fè a swa manda ou bien ti période li t'a fè kòm dirijan. Depi l tourne modestement. La viv paisiblement. Population critique l pou sa konnen. Parce que gran pil nèg ki pase, yo tellement al coupé raché, lè ou tourne riche. Lè ou tourne riche. Président Hugo Antele, Osi Mouika. OK, Mouika. Lè ou tourne riche Chili. Merci an pil zanmi auditeur Chili. Moi même ça m'abdou la Chili justement et papi ou c'est Chili et le tourné y a mené yon vie en rose y a mené yon vie en rose et que moun pense ou bien moun ki nan entourage yo voisinage etc ou est gon chef qui t'est passé mais écoutez un ministre par exemple m'songe sous budget parce que sous qui année non mais yo t'relé le budget criminel là ça c'était Wilson Lalo qui était ministre économie et finance yo t'relé le budget criminel Wilson était augmenté son budget ça prix ou bien salaire ministre bon m'a dit son fait normal mais en quelque sorte incapable dire raisonnable ça c'est dans pays côté que pas un ministre qui doit être un ministre qui ou pas un ministre qui est insatiable. Par exemple, l'ordre du ministre, son monde qui gagne, son détenteur des secrets de l'État. Donc, faut que ça, pour un yé dans le monde, il n'y a pas qu'à venir offrir rien pour bailler le secret de l'État. Ça est contre le pays, vous avez un ministre qui est dans l'État, non? Il n'y a pas de grand goût, il y a un ministre qui est dans l'État. Mais, un monde qui passe un poste ministériel, son monde qui a gagné moyen dans mail couvrir qu'on pas ville même elle pas rempli il pas rempli il pas fait il pas fait obligation que poste li a mandé pour faire ou bien la loi a mandé pour faire comme ministre comme poste li occupé dans poste li occupé mais au moins il a gagné ti bagaille dans mail son fait normal pour nèg fini ministre il est capable d'aller avoir avantage tout il est capable acheter son belle tête machine. Par contre, si c'est 2 ans, 3 ans, là, ça parle pas de Jean, lui-même comme ministre, personnellement, qui train de ville te gagné. Mais pas les nègres là, fin ministre, malgré le panneau, pour encore, il y a 5, 6, 7 machines, et pas machines qui gagnent dans le figure. Ça, c'est l'autre paire de manches. Ça, c'est l'autre bagaille. Machine $120,000 américains. Ça, c'est l'autre bagaille. Alors que le tap touche. Si n'a gen youn, m'ka essayer comprendre parce que comme ministre l'a bien avantage, l'a bien crédit, l'a bien comme l'état payer. Si l'a gen youn, m'ka comprendre. Mais là il gen 2 3 4 5, ça sont l'autre bagaille mon frère. Et c'est ça qui fait comme en Haïti, nous pas gen justice parce que c'est pas loi, nous pas gen en réalité. Ça m'a dit là yo. M'quoi c'est loi loi portant sur Non. Sur la prévention, on va comme ça. Loi portant sur la prévention, t'as le ma banou bien, amis auditeurs. C'est un problème inapplicabilité de la loi que nous avons. Parce que tout simplement, pas de monde qui pourra appliquer. Non magistrat, monsieur. Non magistrat, yo a stable. C'est le plus gros problème nous ça. Sinon. Si on pas achat nèg yo t'a appliqué loi portant répression et prévention de la corruption.
Mais dans tout ça, on a parlé. Il est publié dans le journal officiel Le Moniteur, 9 mai 2014. Vous connaissez ça, 9 mai 2014. Dans tout ça, on a parlé à Gannette. Pierre Matet à tout. Côté tout organe qui l'a pour gommer contre corruption. Moi, Haïti, c'est le seul pays qui gagne tout greffe institution ça yo qui a gommer contre corruption. LCC. UCREF, non. Institution a parlé ça. Yo qu'on sorti rapport yo. Yo a bamzou, yo pas là pour arrêter. UCREF pas là pour arrêter. UCREF pas là pour arrêter. Depuis yo gen présomption yo gen soupçon de corruption côté, yo habilité pour amener enquête côté ya. Mais yo pas tribunal de droit commun. Oui. Là yo fini, y a saisi parquet, yo voye dossier dans parquet. Des fois, elle là yo même dossier bloqué ya oui. Parce que ce qu'on est. Vous connaissez monsieur rivé au magistrat dans système judiciaire haïtien. La loi dit directement comment nous ca intégrer la magistrature haïtienne. Nous quoi si la loi porte un statut de la magistrature dans article 18 jusqu'à 22. Il dit qui gens ont monde capable intégrer la magistrature haïtienne. Deux façons. Soit intégration faite de manière directe ou bien indirecte. Direct ou sorti dans l'école magistrature après finir étudier droit et puis boum ou aller ou intégrer directement indirect ou passer par collectivité yo qui jusqu'à présent pour qu'on mette sous pied bon mes frères ou connaît cause intégration dans magistrature haïtienne bah ça fait la loi porte statut là mais ça est bail pour côté amis tel qui relie tel qui place un tel déjà mais c'est ça que faut ouais certaines fois lorsque ULCC, UCREF, fin produit un rapport sur un doit long supérieur, la cheminée dans le paquet. Et puis paquet saisi cabinet d'instruction. Juste là, pas ni arrêté, ni même temps, dès le paquet de monde qui est impliqué dans le dossier. Non? Parce que juge là, c'est le monde qui est impliqué, c'est le monde qui est mette. Et puis gros problème nous ça, oui. Et pas ULCC, c'était le monsieur même passé. Ça te passe, ça te vient encore. On l'est, oui, on l'est. Et bien, il y a le CCT relève moi-même. Mais où est-ce? Où est-ce? Il y a le CCT relève comme ancien député qui a gagné 4 années de projets communaux. Le gouvernement a été baillé là quand même 1 année. Chance pour monsieur ILCC Krelim sur petit projet. Petit projet, bagay 2 millions 500 000 goud, 3 millions. Et qui t'a fait, et que gagne des mouns qui estiment que le projet n'est pas fini. Parce que le projet c'est pour eux, ma pas les paysans, et bénéficient direct. Et puis gagné donc des gens qui dit que y a pas de toucher mais il y a le CCTL et c'est normal parce que bon moi ensemble avec nous dans la radio il y a le CCTL même balayer comme ça et m'aller parce que il y a des besoins clairs et sous ça quel joint c'est ça mon qui dit et c'est normal à ce que vous me parlez de moi. Oui, bien sûr. Mais le mauvais, il y a le CCTL, comment faire c'est moi. Pour que ça m'a aussi été énorme. Vous comprenez? Pour que ça m'a aussi été énorme parce que c'est responsable. Le responsable. Ou bien tu es responsable. La République a besoin d'explication de moi. Oui, c'est clair. Autant de fois que bagay là t'es gagné un bagay qui pas droite là dans l'oubli qui senti un bagay qui pas droite il y a besoin c'est où il y a besoin d'avoir une explication besoin c'est où pour bagay mais faut doit aller c'est ça que fait tout à l'heure hein? N'a parlé de bagay passeport bagay bagay diplomatique et surtout Galette qui printe le doigt sur Washington, c'est pas ça? Oui, Washington. Côté Mbalou. Gouvernement, ça a venu. Là, il y a fond travail. Je vais toujours insister, gouvernement, parce que les gouvernements apparaissent,
pour moi-même, il était dû parler avec audit. Comment? Même il a parlé d'insécurité. Pas faire audit là tout, il produit insécurité. En effet, ministre Affaires étrangères l'a mandé un audit. Il m'a dit. Mais il y a 2021 à 2025. Exact. Alors, c'est ministre Affaires étrangères là. Oui. Moi, je dis gouvernement. Gouvernement. Parce que dans toute institution, ça doit être fait. C'est ce qu'on appelle le droit. Dans toute institution. Par exemple, premier ministre qui peut être dit, il y a la primature. Claire. Bon, toute bagaille qui t'a dit dans la primature, comme si pour le premier ministre apparaît, pour le chita dans la primature, sur toute bagaille. 3 milliards de gouttes qui décaissent pour assainissement. Comment? Écoutez, il a toujours dit ou pas mêler parfum avec fatra, et pas ça? Oui, c'est clair. Ou pas mêler. Donc, si le gouvernement vient pour le fond bagaille, sérieux, ou bien c'est à partir de transition ça pour pays à déraper, transition effectivement, un paquet de corruption c'est là, il qu'a fait. Donc, qu'on y a là, c'est pas simplement population attendait, c'est ministre Affaires étrangères qui sont en cloche là. Dans la primature, tout le monde fait. Monsieur Amelou, dans toute institution, il était fait. Audit là. Moi-même, je fait deuxième fois, je répète. Il faut que le Premier ministre ne pas quitter le plan, non bagaille, moun sa c'est moun pal, moun sa pas moun pal. Nous faisons bagaille, c'est pour le programme gouvernement. Programme gouvernement. Ministre agriculture, pas qu'à alchita comme ça. Et ça va vle dou là. Ou pas de konbe licence Zangui par exemple. Ben nous prenons ça. Mais comment on prend le chita? Est-ce que nous te respecté? Est-ce que faut gagner audit? C'est pas un monde pour le arrêter un directeur relé à pas et te gagner tel dossier, me détendre des scandales. Non! Audit nan doué général. Faut que le général. Sécurité à général. Faut que tout bagaille général. Justice. Ou déraper à kon bagay, gouvernement déraper à kon bagay, et puis tout le monde pral bral point. À partir de tel bagay li t'a fait. Et ça m'le dou là. Donc, affaire étrangère fait li, s'il pas fait l'autre côté, ça veut dire c'est ministre affaire étrangère. Ou tout mette le nom difficulté tout. Exactement, c'est tel la bête noire. Voilà! Yes. Donc laisse à premier ministre tout mettre dans difficulté parce que c'est pas lui pour dire premier ministre il pas fait 12 ans avec premier ministre même côté dans l'ONU par exemple. C'est pas lui même qui fait des matchs pour premier ministre là. C'est pas l'ONU tout. Pour premier ministre a une relation avec premier ministre déjà il a une relation avec monde qui connaît peut-être il croit que on travaille sérieux il vient faire. Et lorsque le président Matel était raté, eh bien. Qu'on est là, une deuxième chance. Le marine est venu là. Faut que l'est clair. Faut que l'est clair. Faut que c'est action gouvernementale là qui a marché. Eh bien, c'est pas la parole, c'est action. Action. Bonne volonté. Moi, toujours dit, bonne volonté, c'est avant que vous preniez signature, responsabilité dans le job. De vous finir accepter job là, c'est pas bonne volonté. C'est fait travail là. C'est sous résultat tout le monde va parler. Mais ça me dit là, c'est sous résultat. Circulaire a sorti, il a pas mandé audit, mais pour le ministre l'a mandé dans plusieurs points que moi l'aime fini circulaire là qui sorti 25 juin. Côté premièrement, il m'a dit toute modification, tout remplacement directeur faut que li gagne approbation pour le ministre. Deuxièmement, yo pa gen droit prendre aucun nouveau agent public sans yo pas respecter procédure qui établi yo et sans pas approuvé par la primature. C'est pas comme si tout nèg monté là commence à mettre des militants par au bon côté yo rele ti moun par au bon ti femme sur côté yo vinn mettre. Non mais ça fait normal lui parce que le premier ministre est le chef du gouvernement. Ça veut dire toute l'autre bagaille yo vinn en bas, même si toute l'autre bagaille, toute l'autre posture que c'est ministère ou du moins c'est direction générale qui est attachée avec le ministère. Yo vient en bas l'ordre par ricochet, yo vient en bas l'ordre pour le ministre. Non, faut qu'il ait contrôle yo. Ça fait normal lui. Et c'est une raison qui fait assez souvent au connouer exécutif là
li en désaccord, oui. Des fois, premier ministre qu'on sous même longueur d'onde avec président, mais en ministère ou bien en direction. Par exemple, conseil de direction qui c'est direction clé dans affaires sociales. Nous prenons par exemple en direction tant que CAS ou prenons en direction tant que FAES par exemple. Donc politique et gouvernement socialement, c'est vrai que c'est le ministère des affaires sociales pas donc à faire, mais c'est eux-mêmes qui sont capables d'appliquer. Eux-mêmes, c'est par le truchement de ces boîtes que nous assez souvent nous minimiser ici en Haïti. Par exemple, on fond qui débloqué pour faire et programme social. Donc dernièrement là c'est qu'on 21 milliards là, ça on va comme ça. C'est ministère des affaires sociales qui a exécuté le certes. Mais c'est par le truchement de CAS avec FAES. FAES et d'autres. C'est eux deux, ça, oui. Imaginez-vous, on a l'argent qu'on s'est tombé. Bon, on prend l'argent pour assainissement. Assainissement, pas vrai? L'on dit assainissement. Ouais, et bah, il y a pour moi, c'est Fatra, oui. Ouais, SNGRS, ou SNU. Et puis, ou capable de tout. Le ministère de la santé publique ou capable ou tout, mais deux gros ministères qui impliquent dans ça, c'est d'abord collectivité territoriale, on dit avec et vous pas d'elle de là dedans, oui, travaux publics, oui. Comment bagaille là, vous répétez bagaille là deux fois là. Non, mais ça on fait depuis bon sous vous mon bras d'elle. Bon, mon travail. Mais mon trou pas bouché dans votre prison. Bon travail, vous vous prenez le fait. Là, t'es couru déjà. Il a fait des matchs pour route nord-ouest. Tu sors de dollars. Ok, bon, mon bagage, vous vous prenez le fait. Pas mes livres dans le bagage. Ah, ben, ok. Pas de problème. Mais il y a une partie que je trouve qui est importante. C'est abus de fonction et favoritisme. Premier ministre dit tout agent public que yo trouvé qui coupable de zak sa yo qui a fait abus de pouvoir, yo ka ba yo amende et yo ka interdit yo exercer dans l'administration publique là et yo ka même exclu yo totalement. Ça me trouve important. En tout cas, donc, moi là, est-ce que y a pas appliqué ça son l'autre bagage? Non, travail là difficile, mais malheureusement gars connu pas gain les pas à lui même seul il pas gain contrôle pouvoir judiciaire là. Parce que s'il dit, il faut que justement attendre qu'il applique, et pour appliquer, il faut qu'il balle pour appliquer tout. Mais laisse à tout. Conseil de direction, conseil de institution qui est là pour combattre, pour battre contre la corruption, tant que l'ULCC, tant que l'UCREF, il faut que c'est le monde qui est dans la tête apolitique. Il ne faut pas qu'il y ait un bon. Il ne faut pas qu'il y ait un bon politique. Qui ça veut dire, frère? Ça veut dire, il faut que l'institution fasse le travail justement. Il y a un job politique. Ah ben voilà. Mais mon autre problème. Mon qui place. Non, c'est ça qui fait nous ça. Plutôt éclairci pour yo. Parce que vous connaissez très bien le job là, le job politique. Maintenant, c'est politique gouvernement qui a pas appliqué ensemble. Vous avez une responsabilité là, l'autre gain responsabilité là, mais en gros, c'est la politique gouvernementale. D'accord. Donc, y a là, et un peu de monde répéter ça, je pense que chaque monde, comme ça, vous l'avez dit, il y a un bagaille, coûte langue. Et gombagay et negra y neg et gombagay et tripotay monte de san bar et cetera gombagay flatteur et soit un vle dou la flatteur et moi j'ai l'impression et chaque monde si maman dit galette pas vle entrer dans politique, j'ai l'impression c'est ça qui bat le problème. C'est pas la bonne politique, non? C'est pas de ça le parler, non? Veillez moun, attention moun. C'est Jean qui a fait là. Mais dans tout pays pauvre, c'est comme ça qu'on fait politique. Son bagay, galette, gen 300 nèg, yo le non poste. C'est peut-être qui yo gagne. Gen 300 jeunes qui devant Portoua, Captain nous tombe pour yel de poste là. Ou est-ce que ça veut dire, si c'est pour Mango y a mettre, si c'est pour Fig y a mettre en bas, pour ta casse, pour pas retourner dans le travail là pour jeune ni. C'est ça, mais mes amis, pour pays avancer,
C'est la bonne politique, c'est la politique. Qu'on y a Haïti, pas fait la bonne politique. Voilà. Il faut bagay coupé coup, et trahison, coup de poule. Bagay, c'est chic. Oui, bagay. Ça vient faire un paquet de monde, raï politique, et puis tout. Dans naissance, nous, comme nek province, et quelque chose dans la commune, quand on fait là, même si dans l'ouest là, nous subissons même bagay. Faut que tu as dit politique pas faite pour vous. D'ailleurs, pas on pas d'accord pour entrer dans bagay ça. Mais on compte ça bien. C'est que les qui étaient la ville avant qui connaît succès, il y a baron pour pas entrer tout. Clair. Pour qu'a toujours été là-dedans. En tout cas, hélas pour pays qui revient à état ça, mais c'est politique. Et moi je toujours dit chaque jeune pas quitter mon faire politique pour pas quitter moun fè politique pour quel que soit koto et dans section communale ou attendre matin débat là pas quitter moun fè politique pour ou lever non zone ou tande gon réunion on ex cette la ville vinn fè réunion faut le chercher qu'on est qui ça vinn ça vinn rive parce que ou même ou gen chance koto rive a niveau rive a gon bagay ko comprendre pa on pa t'aller même yo pa comprendre ni voilà donc sou ki t'es allé y a le point menti a ou même qui quitter ka ouais bagay l'on parle c'est pour zone nous pas bon poser question pertinente c'est sous zone pas bon en tout cas c'est très bien monsieur c'est très bien mais et ben nous pas rendre compte que le premier ministre là commence à parler trop ouais monsieur en fait déclaration ou bien trop là nous t'ai dit en pile nous pas senti ça nous pas senti que mais ça m'a souhaité que le premier ministre oublie que le pays, ça, pour une deuxième fois, il a une responsabilité d'État. Son pays capte un résultat. Moins parler, plus résultat. Ouais. Plus son conseil. Il faut passer de la parole aux actes. Parce que le premier ministre a tout le monde à côté, jusqu'à présent, la pour monde qui pour faire travailler. Et le travail n'a pas fait pour sanctionner. Ouais, justement, donc, voilà. Nous te dis ça. Il n'est pas l'heure pour nous dans un bel discours encore. Et nous passons l'étape ça. Donc, c'est le moment pour nous poser action. Il fait midi 25. Nous prenons le fond respirer. Où est-ce que nous avons gagné? Entre-temps, nous avons souhaité bon anniversaire. Bon anniversaire à Madame Gérard Jean-Venel. Madame Gérard Jean-Venel, mes cloches la chérie. Je te demande de l'imbaoul. Et je souhaite vous santé, sécurité, dollarité. Qui te encore bonté. Toute bonté honnête, je souhaite vous. Et que bon Dieu et vous prolonge vite et tout. Que bon Dieu continue à protéger vous. N'ap saluer commandant Martin Laguerre qui a coûté nous dans Delma 87 avec toute madame li Coralie Désir qui branché émission matin débat cloche pour commandant bon bagaille mon frère tiens bien red qui t'aime tout salut féminin basse 87 la Valérie va passer beaucoup de commandant oui ça et pas commandant dit oui commandant oui. Son commandant oui Laguerre côté monsieur va passer là qui t'aime salut tout, la c'est la foi merveilleuse qui a coûté nous depuis Chili. Je salue Madame Marie Labbé qui a coûté nous depuis Floride et puis Radio Télédynamique Plus. Monsieur et Madame le Comte qui n'a jamais pas branché l'émission Matin Débat. Et puis, joyeux anniversaire à mon cher cousin Lovensky Martin qui a fêté un nouveau printemps. Bon. Ok. Et où est-ce que ou bien on salue? Non, c'est un message. Alors, on a deux messages. Moi gagné donc yon funérailles je dis funérailles de la famille Mirambo Wolf Mirambo qui te joigne fusillade devant la Cali jeudi 20 et la fête zami la famille Mirambo nous gagne droit depuis à 1h dans Pac Zula mais Pac Zula c'est de côté. Il y a un sujet en face de l'église Sacré-Cœur. Sacré-Cœur là, ya. Et m'pa vraiment demandé qui côté. Pourquoi pas maïgaté, ya? Pourquoi pas maïgaté, ya? Maïgaté, pourquoi pas crématorium n'a gien là seulement? Non, il fait travail ça. Mais la vérité, c'est que
C'est un monde qui m'a dit ça, c'est qui côté dans PAC Zuila. Oui, c'est très important. Gilbert, et vous répondez à nous. C'est qui PAC Zuila parce que là,